Bonsoir à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 28 septembre 2017, il est 18h tout pile et c'est parti comme chaque jeudi pour votre débriefing de l'actualité high-tech. Bienvenue dans 01 Live. Tadam Salut François Sorel, bonsoir à tous. On Jérôme va Colombin, bonsoir. Ce soir François, de fracture numérique. Ah, euh, yeah. Vous vous souvenez, eh bien la fracture numérique n'est toujours pas euh, soignée. Hein, il y a toujours ceux qui ont une super connexion et qui téléchargent des films comme des furieux et ceux au contraire qui plafonnent poussivement à 2 mégabits avec le sablier qui tourne. L'UFC que choisir Fait le point. C'est pas brillant, on l'a dit. Que font les pouvoirs publics et la fibre va-t-elle arranger tout ça C'est pas sûr. On va voir ça en détail avec Amélie Charnet de la rédaction de Zéro 1 Net. La reine de la fibre. Ici, il y a de l'écho chez Amazon, Jérôme. Mmh, elle est bonne. Elle ouais. est bien. Le géant américain a dévoilé, vous, vous le savez peut-être, hier soir, six nouveaux produits connectés liés à l'assistant Alexa qui devrait bientôt arriver en France. Hein. Euh, bah, espérons, on l'espère. Mais mais bon. On va voir ça <laughs> dans quelques instants avec David Nogueira qui nous expliquera un peu quelles sont toutes ces nouveautés. On va parler start-up et innovation également, François, et on vous emmène dans le sud de la France avec The Camp. Regardez ça si c'est beau. Ouais. C'est pas Il le... plus que les cigales. Hein. Ouais, exactement. On dirait un peu le, le grand stade de Saint-Denis. Ce hein. ben, c'est pas du tout ça. C'est à Aix-en-Provence. Ça s'appelle The Camp, un nouveau lieu entièrement consacré à l'innovation et au futur. On, vous en saurez plus dans un instant. Avec l'interview de l'un des responsables de The Camp tout à l'heure. Et puis côté labo, un bon gros PC de gaming. Oui. Je sais que Jérôme, tu les aimes vraiment. Un bon gros PC et qui tâche. Oui, Le Corsair One Pro, ce sera avec Aymeric Siméon. Et comme on a payé grassement David Noguera, il restera jusqu'à <laughs> la fin pour parler chauffage connecté. Voilà. Gentil, Cela dit, le chauffage connecté, c'est un peu ce qu'on vit dans ce studio, si vous voulez, euh, sauf que ce n'est pas connecté. Finalement. non C'est très chaud. Mais par contre, il y a du chauffage. Voilà, comme d'habitude c'est partager cette chaleur. Comme d'habitude, ce 01Live est interactif, comme on disait dans l'ancien temps. C'est vrai, sur le Minitel à Live. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, vos commentaires, on adore ça, c'est très ouais. simple. Vous allez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, avec le hashtag 01Live. Voilà. Et ben c'est parti. C'est hein. parti. Alors bien sûr, vous pouvez réagir avec le hashtag 01live sur Twitter, mais aussi sur le flux live de, fait de, de YouTube, bien, bien évidemment, ouais. puisque vous êtes nombreux à nous regarder. On vous vous lit pouvez vous laisser flux. un message. Exactement. La question 01Net Orange du jour, comme chaque semaine, le petit sondage, on vous invite à participer. Donnez-nous votre avis sur un sujet d'actu aujourd'hui. La connexion Internet, on va en parler dans un instant. Êtes-vous satisfait de votre connexion Internet C'est très simple. Oui non, pour voter, vous allez sur www.01nettv.com. Alors évidemment, dans les grandes villes en général, on n'a pas trop de problèmes. C'est quand on est à la campagne que ça se complique. Mais dites-le nous, et on fera un point tout à l'heure. Et bien justement, cette question 01Net Orange est de la belle transition Elle pour accueillir très bien Amélie sujet. Charnay. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour Amélie de la rédaction de 01Net, qui a enquêté sur le sujet toute la semaine parce qu'il y a eu une actualité chargée. Et on va commencer par cette étude de l'UFC que choisir qui a été publié et qui met le doigt là où ça fait mal, la fracture numérique, ça existe encore. Ah oui, oui. Alors déjà, ils ont essayé de voir si le débit réel des gens correspondait au débit théorique qui est annoncé dans les promotions par les opérateurs. Et en fait, pas du tout, bon, on s'en doutait un petit peu quand même, mmh. mais quand même, il est deux fois plus bas que le débit qui est annoncé par les opérateurs. Et ça donne quoi Ça donne qu'en France, il y a 7,5 millions de Français qui ont un débit inférieur à 3 Mbps. Donc c'est ridicule. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas streamer. Enfin, c'est ridicule, pas de leur pas... faute. Enfin... Hein. <laughs> Je veux dire, le débit, le débit ridicule est ridicule par les ridicule. gens. <laughs> euh, ça veut dire qui sont coupés d'une grande partie des services et des applications aujourd'hui que sûr. tout le monde peut, peut avoir. Et il y a certains départements qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Donc on a 25 départements c'est la Meuse, c'est la Creuse, c'est la Guyane, c'est la Nièvre. Mm -hmm. euh, donc qui sont très touchés. Et en comparaison, en Ile-de-France, mm -hmm. euh, les, les habitants sont quasiment épargnés. Donc il y, 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 y a une vraie fracture et elle est plus importante que ce qu'on pensait. C'est incroyable. Hein. Alors qu'on est en 2017 et que la notion de fracture numérique, ça a au moins 10, 10 ou 12 ans hein, aujourd'hui euh, bon, télécharger et là, un film dans la Meuse il faut se lever tôt hein. ouais, il faut se lever tôt non il clair. faut, faut l'acheter par la poste il faut <laughs> le recevoir en DVD euh, alors bon ça c'est le constat euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça euh, est-ce que la, 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 la fibre optique pourquoi est-ce qu'elle ne se développe pas plus et puis est-ce qu'elle peut se développer Quelles conséquences Alors l'État s'est quand même emparé du sujet il y a déjà quelques années, sous François Hollande. Il y a un plan France très haut début qui existe, il y a des subventions publiques pour, que, pour amener la fibre dans les zones rurales. Mais ce que euh, l'UFC que choisir dit, c'est qu'en fait, les objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire normalement en 2025, on devait tous avoir la fibre, bah, l'association dit que c'est impossible. Pas. pas avant au moins 2035. Donc qu'est-ce qu'on mmh. fait en attendant pour tous ces gens qui ne peuvent pas euh, et, et, la remarque aussi, c'est de dire, mais attendez, dans les, pour payer les impôts, maintenant, on nous oblige, si on a une connexion Internet, à le faire en ligne. Mmh. Euh, comment font ces gens Il y a un tas de services administratifs, et notamment dans les zones rurales, encore une fois, où on va se reposer euh, sur, euh, sur Internet, où on va demander de faire de la télémédecine. Va... Et donc, en fait, finalement, il y a une double peine. C'est-à-dire que ces gens, ils n'ont plus accès à des services administratifs, mais en plus, ils ont une mauvaise connexion Internet. Mmh. Donc, ouais. euh, et euh, bah, le constat, il... alors l'UFC que choisir n'a même pas forcément de solution, mais pense qu'il faudrait que l'État intervienne encore davantage et euh, redistribue peut-être des subventions davantage dans les territoires. C'est euh, possible Alors, y plan, euh, y plan, euh, il y a oui, le plan très haut débit hein, qui a été lancé du temps de François Hollande. On en est où de ça Alors, justement, le gouvernement vient de lancer sa feuille de route hier. On l'attendait depuis plusieurs mois. Mm -hmm. Et en fait, c'est hyper décevant parce que c'est hyper vague. Donc, ah bon euh, le gouvernement dit qu'il va y avoir de nouvelles solutions satellitaires. Ah bon Mais euh, qu'est-ce que le gouvernement va faire Envoyer un satellite euh, mais, on, mais quoi donc, euh, Comment quel voilà. prix, euh, Quand <laughs> donc, euh, euh... Il parle d'avoir du bon haut débit. Donc ça, c'est une invention d'Emmanuel Macron. Le bon haut débit, ce serait au moins 8 mégabits pour tout le monde. Euh, et aussi d'avoir une 4G de qualité. Alors. Une 4G de qualité, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Et en plus, elle serait rapide. Et moi, je ne sais pas non plus ce que c'est qu'une 4G rapide. Il <laughs> <C 'est rire> n'y a, a pas de chiffre. Il n'y a rien. Voilà. L'idée, c'est que. là négocier... ça coûte pas cher comme proposition. Voilà. Bon, hein, en gros, on sait que. Qu'est-ce qui va se passer C'est que les opérateurs ont besoin de renouveler leur licence. Alors, le gouvernement va leur dire OK, on vous renouvelle vos licences plus tôt que prévu. En échange, on vous alourdit, en fait, les, les, les contraintes. Les, les contraintes. Les... Voilà, c'est ce qui ouais. va se passer. Et Mais... les objectifs de couverture. C'est ça. Parce que, est-ce qu'on peut avoir de la fibre partout mais non, mais en fait, ça c'est une illusion. On sait très bien que ça ne sera jamais le cas. On ne pourra jamais raccorder euh, la personne qui habite en, en montagne, euh, hyper isolée d'un village. Est-ce qu'elle va avoir de la fibre jusqu'à son habitation euh, individuelle Mais personne n'y croit. Pas donc, alors de ce côté-là, il y a une petite évolution. On parle de mix technologique. Pour 2020, il y a un point d'étape qui a été fixé. C'est d'avoir du, euh, du, du très haut débit. Euh, non, pardon, du bon débit. Donc, ce fameux 8 mégabits par seconde pour tous. Et euh, ça sera des 4G, euh, de l'HTHD radio et ce fameux satellite. Alors là, pour le coup... Euh Bon, il faut bien regarder dans le ciel parce que le jour ouais. on le voit, celui-là... Parce qu'en euh... plus, il faut que ce soit opérationnel d'ici 2020-2022. Donc, euh, le temps de lancer un satellite, le, fin, de le fabriquer, fin, on a <laughs> oui. du mal à comprendre. Oui, parce qu'Amélie est se également se spécialiste du satellite. <laughs> <Oui>. Rappelons-le. <laughs> non, je plaisante pas. Non, euh, non, y a mais C'est vrai. Reportage, vrai. Euh, plusieurs reportages. Alors, il euh, y, y a les députés hein, qui ont... Apparemment, certains ont des, ont des idées. Euh... Oui, il oui, y a eu un rapport qui a été publié hier aussi. Alors, eux, ils ont une petite idée pour la couverture mobile. C'est d'obliger à une espèce d'itinérance comme quand on va en... En Europe où on utilise le réseau de l'opérateur local, il voudrait que dans certaines zones rurales, on puisse basculer automatiquement sur un autre opérateur si le sien ne couvre pas bien la zone. Alors on imagine mal que les opérateurs acceptent ça. Mais c'est une idée, pourquoi pas, ouais. euh, à retenir. Ils voudraient aussi que ce soit plus facile euh, d'installer des pylônes, que ça mette moins de temps. Il faut quand même voir que euh, dans les campagnes, il faut des points hauts pour installer les antennes. Mmh. Et bien bah, rien que ça, installer des pylônes, ça peut prendre un an euh, dans certaines régions. Donc, oui, à la euh, décharge des opérateurs, c'est pas simple quand même. Alors voilà, ouais. ils il pointent du doigt les difficultés administratives. Et apparemment, on met quatre fois plus de temps en France à installer un pylône que dans, chez nos voisins ah européens. Bon donc pourquoi euh, Donc l'idée, c'est d'alléger euh, peut-être les dispositions Pensons administratives. Dans... Voilà. On n'a pas de pylône. On ne parle pas des assez idées. des pylônes, mais c'est un frein énorme. Ah oui, à la couverture non mais sûr. mais vous savez que, en fait, pour avoir discuté avec un opérateur, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir de la fibre partout. On peut très bien envoyer de très très hauts débits via des faisceaux erdiens. Mmh. Euh, donc, bah c est, c est les... en fait, c'est des petites paraboles que, alors qui ne sont pas dans le, dans le ciel, hein, ouais, mais qui vont communiquer entre elles, qui peuvent avoir une faisceau, portée hein. de, de, centaines mmh. de centaines de kilomètres. de, de c'était le de à un avez... moment, on ne parlait que du WiMAX. Oui, mais en fait, c'est ce qui va donner ce qu'on appelle le THD, euh, en fait, euh, aujourd'hui. Ils vont réutiliser ces infrastructures-là pour, euh, en fait, faire... Euh... Mais c'était très contraint en débit, et là, il y aura des fréquences euh, dédiées, en fait. Mmh. Donc, on va pouvoir avoir des débits euh, supérieurs... Euh... Donc ça fait partie des solutions qui sont mises en Bon, en tout cas, c'est si. bien d'en parler, c'est ouais, bien de faire l'écho de tout ça, parce que, effectivement, il faudrait que ça, que voilà, que ça se réveille. Un Alors, petit point sur la question, Zéonette Orange. Oui, qu'en pensez-vous que, Quelle est votre situation à vous euh, Que pensez-vous de. Euh, non, je ne suis pas sur le bon sondage, tiens. Non, 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 ça c'est <laughs> Sur le sondage de la semaine dernière. Oui, celui-là, il est bien ah, d'ailleurs. Il est bien. Oui, mais ce n'était pas le même. Êtes-vous satisfait de votre connexion Internet Alors, On en est où là on a, un est petit, ça on a une petite tendance ou pas euh, eh bien, oui, à 40%, 40%, non à 60%. Eh bien, ah. continuez, continuez ça veut dire que la majorité d'entre vous n'est pas satisfait de sa collection internet. je te confirme, 60%. Il y a eu euh, une petite mise à jour euh, en fait, des cartes de couverture euh, mobile et on s'est aperçu finalement que plus de 40% des Français ne pouvaient pas capter à l'intérieur de chez eux. Donc, ou à l'intérieur de n'importe quel bâtiment. Donc du coup, maintenant, euh, commence à apprendre une nouveauté, une nouvelle contrainte pour les opérateurs, Le c'est de faire en sorte que euh, les gens captent au niveau mobile à l'intérieur de, de, de n'importe quel bâtiment. Et, et on se rend compte, finalement, il bah, y a une mmh. grande portion du territoire où c'est impossible. C'est dingue. Bon, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler. Ce sujet, visiblement, euh, n'est pas prêt d'être clos. Merci Amélie Charnay. Merci Amélie. Amélie de la rédaction de 01 Net. Il est 18h12. On enchaîne tout de suite, alors on va passer carrément à autre chose. Là, vaut mieux avoir du bon débit hein, pour faire fonctionner tout, euh, toutes les nouveautés qu'Amazon a, a annoncées. Et on va faire le point avec euh, toi David, salut et Bonsoir, bonsoir. David, David Noguera. Noguera, qui est journaliste à la rédaction de 0 netcom et 0 net TV. Euh, alors David, euh, hier, Amazon a tout sorti. Hein, <laughs> Jérôme. Ouais. Euh, Là, avec ouais. effectivement beaucoup de choses, avec beaucoup de choses Alors, dans, la famille, détails sur, dans la famille détail sur la famille Echo c'est ça la famille éco, c'est à dire, on rappelle pour ceux qui auraient raté le début, c'est cette enceinte connectée avec Alexa, <laughs> l'intelligence artificielle exact. à l'intérieur, éco dot, les, voilà. les, le petit boîtier qu'on met chez soi pour parler à son enceinte et lui demander plein de choses. Et donc, euh, les nouveautés, effectivement, donc ça a commencé par un form factor un peu différent. Alors là, on voit euh, les déclinaisons de éco dans les plus grandes versions, puisque va y avoir a priori un nouvel Echo c'est le éco. Plus, et un Echo Plus. Ouais. Moi, ce qui me manque un peu, c'est que, bon, euh, on sait que ces produits, il y a une petite attente, euh, notamment du côté de la qualité de l'audio. C'est ce qu'on a vu quand on était à Lifa. On a vu qu'il y a des marques, euh, marques de fa fabricants de, oui, de systèmes audio qui s'intéressent cette fois-ci plutôt, effectivement, à Google et Echo. En 15 secondes, et on rappelle Alexa. à quoi ça sert. Alors, Alors c'est ce le système de reconnaissance vocale d'Amazon. Exactement. Et on appelle Alexa qui va euh, plus ou moins obéir à vos ordres. Je lui demander plein de choses, voilà. la ouais, vidéo, sa valideur. liste de rendez-vous, enfin ses rendez-vous de la journée, euh, prendre des, des notes. Euh, et voilà, piloter la maison pour exact. peu qu'on ait des, des euh, systèmes des appareils, compa des, compatibles, des, tout compatibles, tout à fait. Voilà, Deux ouais. de nouvelles de nouvelles enceintes du côté des grands formats, ouais. Echo, Echo Plus. A priori, un son de meilleure qualité, parce que c'est quand même... enfin euh, Pour ma part, en tout cas, c'est quand même quelque chose que j'attends de ces services, puisque quand même, lorsqu'on est abonné, par exemple, à euh, Amazon Prime Music, quand même une, euh, ou Spotify, ou... Euh, 10 heures ou, ou qu'on veut écouter une radio, bah ça, ça prend du sens d'avoir ces petits produits un peu partout dans la maison à condition qu'ils soient de bonne qualité. Mmh. L'une des nouveautés, c'est le euh, Ecospot qui est le Radio Réveil. Donc le tout petit, je sais voilà, pas si le, on voit le... Voilà, c'est celui là C'est celui-ci avec un, un écran, écran, écran LCD 2,5 pouces, écran rond. Donc c'est bien parce que finalement, bah, on va pouvoir avoir cette, ce, ce petit écran avec lequel on va pouvoir interagir, lire des choses. Et surtout, ça, bah, c'est une bonne idée. Lui hein. demander. Ça, c'est une bonne idée parce que pas quand ça. on est au réveil, ouais, finalement, plus, ou sympa, la veille... Ouais. On on va se coucher et puis on lui dit bon bah programme-moi un réveil mais avant ouais, ça on lui demande mais qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous demain voilà donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant là on le voit ouais. sur l'image il y a en plus cette front facing caméra donc caméra est-ce que tu m'aimes est-ce que tu connais les recettes des lasagnes chacun, <laughs> ouais, ça, ça. Mais au, au coucher ça, ça prend est-ce que tu m'aimes pourquoi pas ah, ouais. est-ce que tu est m'aimes mon... euh, il faut essayer il a des ouais. réponses sympas lui comme Google Home euh... d'accord ok mmh. moi j'écoute j'essaierai. <laughs> Donc, euh, donc, effectivement, donc on a ce, ce, ce petit produit qui, qui vient euh, sur la table de nuit cette fois-ci, donc avec cette caméra frontale. Alors, euh, une caméra frontale pour faire de, des appels visio. Bon, est-ce que la chambre est le meilleur des endroits pour faire ouais. des appels visio C'est un peu bizarre, bon, Ça hein. se discute. En même temps, c'est un petit produit qu'on peut très bien poser n'importe où, hein, <laughs> sur une table basse dans le salon. C'est vrai qu'on l'a un peu présenté comme un radio réveil, mais euh, ça peut tout à fait être sur une table Ils basse. Ils ont un, un, un autre modèle qui est plus grand d'ailleurs avec un écran. Hein qu'ils avaient déjà présenté oui, y il y a, a bien bah, un certain temps ça devait être c'est pas le premier ego non, non non il est arrivé après ouais. euh, donc voilà donc ça c'est un produit euh, qui devrait arriver aux alentours des quand même 130 dollars d'ici mm -hmm. le mois de décembre donc, aux, aux états unis aux Et aux us exactement donc c'est quand même pas quelque chose de donné mais il ya aucune date que... pour la france non toujours aucune date alors en fait c'est un peu le, le, le truc qui va arriver au bout c'est que alors je vais embrayer très rapidement la disponibilité ce serait on a quand même des suppositions sur courant voire début 2018 c'est un peu ce qui nous a été dit un peu en off au moment de l'IFA, en tout cas, ce qui m'a été rapporté. Et surtout, il y a quelque chose qui est très amusant, c'est qu'il y a aussi euh, Alexa qui rentre dans l'automobile. Donc, avec des constructeurs auto qui ont annoncé mmh. des choses pour l'Europe, SEAT... BMW, moi j'ai vu une SEAT, c'était fonctionnel sur le salon de Francfort, on rentre dans sa voiture, on lui demande des choses, ah ouais. les mêmes fonctions et surtout quand on a par exemple un éco dot à la maison ou un éco-classique qui est connecté à ses volets ou à sa porte de garage, on peut lui dire Alexa ouvre-moi la porte de garage. Et là Alexa je rentre chez en moi. Français, là là c'était en anglais toujours. On est toujours alors, le, la, la personne de chez Alexa était euh, espagnole, enfin c'était a priori une personne qui était quand même, on va espérer plutôt bien informée, qui m'a dit ça va quand même arriver assez rapidement mmh. sur 2018. Bah, donc, on, bon a des, on a des, on a des, constructeurs qui se lancent BMW, Alex et, et Seat. Là, on voit que c'est des images Seat. Et donc, c est, c est, cet assistant prend du sens aussi dans la voiture parce que lui dire, j'arrive à la maison, euh, commence à me chauffer euh, le, le salon à 22 degrés, ouais. euh, ça, ça, peut, ça peut prendre du sens. Pour en revenir, commence à me chauffer. Oui, c'est oui, <laughs> vrai qu'il faut faire très attention ouais. à ce qu'on dit ici. Avec la caméra frontale voilà. en plus, ça va être ouais. sympa, tiens. Parmi euh, <laughs> parmi les autres euh, les peut-être ouais. un petit peu plus légères du côté de Echo Buttons le fameux ah, l'espèce de petit buzzer en fait euh, là je pense qu'il va y avoir des choses qui va il va falloir qu'on qu qu ait un petit <laughs> peu plus d'infos sur ces choses là parce que c'est quelque chose qui coûte à peu près 20 dollars et c'est euh, pour jouer avec, euh, avec exactement les cours, en fait. avec euh, avec Alexa et euh, a priori sur Google Home il y a une fonction qui existe qui s'appelle j'ai de la chance et ça lance une petite euh, partie en fait elle demande combien il y a de joueurs etc ah, là ah, le but ah, c'est ah, un peu ça c'est avoir le buzzer pour créer euh, une, une partie, donc un espèce de question pour un champion et euh, buzzer avec ces petits produits. Ouais. Et a priori, c'est le premier produit qui viendrait s'intégrer à toute une gamme de produits qui s'appellerait Alexa Gadgets. Et donc, ça laisse présager de, de petits développements. C'est incroyable de voir comme Amazon est en train de, de irriguer en fait, euh, et en plus de, de se lancer de plus en plus dans le hardware. Mais parce que Jérôme, ouais. depuis six mois, alors, ils ont on, pas de téléphone. on parle énormément de, 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 de tous ces services oui. depuis le CES de Las Vegas. Et je pense qu'ils se disent, il faut absolument qu'on serve sur, 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 sur cet, euh, cet engouement. Bah, ils voient il voit qu'il y a une attente. Voilà, C'était les premiers, donc ils ont une avance. Ouais, ouais. Euh, mais c'est amusant parce qu'eux, ils n'ont pas de smartphone. Hein n'est pas Google, euh, ils n'ont pas de, ils ont jamais été dans l'informatique pure et dure, donc euh, et malgré tout, on va les retrouver dans les voitures et dans, les, dans les jeux et à la maison. Euh, vraiment, moi j'ai vu des produits. Alors c'est vrai aussi pour des produits Google Home et Alifa. Il y a des constructeurs qui arrivent avec des produits compatibles Alexa qui sont très joli oui, très ouais, bon ouais, ouais. donc je pense qu'on va avoir une, une petite ça va être la, la, bataille qui va de, la bataille de, hein, de l'année là. Hein, hein, parce qu que parce y Google, y de... Google qui va nous annoncer sans doute un nouveau très Google rapide, Home très puissant ouais. visiblement le 4 octobre ouais. soirée livre sur Zeronet TV bien évidemment hein. ouais. on, on, on vous retransmettra cette keynote et puis il y a Apple hein, qui, ouais. est là, ouais. qui est là ouais. qui va ouais, sortir du guet avec son HomePod exactement côté tarif beaucoup plus cher 350 dollars mais c'est pas la même approche mais ils sont dans une approche plus audio Plus et ce que va faire il y a Sony aussi, de des... aussi qui doit faire des annonces oui, oui. Euh, le même jour que la keynote, Apple, euh, la keynote Google d'ailleurs. Euh, rapidement David, il y a encore euh, autre chose. Amazon Fire TV 4K. On a eu Apple TV 4K euh, qu'on a testé d'ailleurs, mmh. hein, surtout allez lire le test sur 0.1 net parce que Pierre Fontaine nous a fait un joli test, mais c'est un produit à 200 euros. Là on est Amazon TV Fire 4K, on sera sur du 70 dollars a mmh. priori. donc euh, ouais, pareil, Beaucoup moins cher que l'Apple TV. Beaucoup hein. moins cher et euh, ça va être un produit a priori. Euh, façon, je le connecte à ma, à ma TV version Chromecast et puis j'ai tous mes services. Euh, Amazon Prime et, ouais. euh, et Amazon TV euh, qui va bien avec du contenu 4K pour le coup. Et euh, je crois qu'on a fait le tour. Bah euh, voilà, hein, mais déjà entre, bien, hein. entre toutes ces enceintes, ces boutons et euh, le système TV, on est quand même sur, euh, sur des annonces sympas euh, Super. du côté de On a Lucien sur Twitter qui nous dit, euh, qui nous poste une photo. Le réveil connecté d'Amazon fait penser... Au réveil Oli français. C'est vrai, hein tout à fait. Un Ce peu réveil même avait aussi. Roux, là, comme ouais, exactement. Qui ouais. en plus euh, proposait des, 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 des petits trucs malins, euh, capables d'anticiper la situation du trafic en fonction des rendez-vous. Donc euh, ouais, une petite intelligence. Un réveil qui s'appelle Oli, euh, franchement, ça donne pas envie de se lever. Hein. Enfin moi je dis ça, mais je dis rien. C'est l'humour français, ça, qui est bien. Ah c'est ça, ouais. Merci David, David vrai, tu non. restes pas... Tu restes dans les parages. Je, tout à fait. Ah Parce oui, on, on va te retrouver tout à l'heure. A euh, suivre sur la TV, dans quelques instants, ce sera euh, Emric Siméon qui est venu avec un truc. Euh, là, il est en train de se muscler, pour tout vous dire. On va vous le ouais. montrer dans un instant. Mais il n'est pas si gros que ça, mais il dépote. Hein. Il est potes. Euh, mais Emric, on... hein, mais le truc. Voilà. Mais euh, auparavant, à 18h20, on va peut-être aller du côté de The Camp. Exactement. Allez, direction Aix-en-Provence. Euh... Très jolie ville du sud-est, à voilà. 30 km de Marseille. Et regardez ce qui est en train de se construire dans la très proche banlieue d'Aix-en-Provence. Voilà, à quelques minutes de la gare TGV, à quelques minutes de l'aéroport, très bien placé, c'est The Camp. Alors, projet initié depuis plusieurs années, mmh. qui touche... A son but là, hein, il est inauguré ce soir en fait. Oui, il est inauguré ce soir et il ouvre officiellement euh, voilà. la semaine prochaine. Et on a eu l'occasion d'y aller avant-hier pour vous faire des petites images en, en avant-première. Et c'est vrai que c'est très très beau. Ouais. Et tu as euh... rencontré le responsable communication de The Camp. Exactement, j'ai rencontré un peu le, plus. le responsable communication qui nous explique un peu le concept de The Camp. Écoutez-le. Alors The Camp c'est d'abord un camp de base pour explorer le futur. Euh, on va regrouper ici des choses qui existent ailleurs, c'est-à-dire par exemple un accélérateur de start-up qu'on coproduit avec euh, le village Baiser, euh, un Fab Lab, euh, des espaces d'innovation, des espaces de coworking, euh, de travail, etc. Vous allez trouver ça un peu partout. La grande différence, c'est qu'ici, tout est sous le même toit et que c'est un lieu de vie et de destination entièrement consacré à l'innovation. C'est ça la grande différence de L'idée c'est qu'on puisse avoir ici euh, un endroit qui crée les conditions propices à la génération d'une nouvelle innovation, d'une innovation dont on a besoin pour le futur. à savoir des experts euh, qui vont venir d'un peu partout dans le monde, par exemple sur la blockchain ou sur l'intelligence artificielle ou sur les biotech. On va les avoir ici, on a 175 chambres, on va pouvoir les héberger, ils vont pouvoir rester une semaine et euh, partager leurs connaissances, leurs expertises sur des sujets qui sont passionnants et qui permettent à des startups d'avancer de manière très très précise sur des projets qu'on va traiter au sein de The Camp. Voilà, The Camp, donc euh, nouveau pôle consacré à l'innovation en France, c'est intéressant, pour l'instant on le voit, ça démarre à peine, mais oui. il faudra qu'on aille voir sur place à quoi ça ressemble. Là, Et on ça. y sera, on, on fera une émission depuis The Camp. C'est un peu, si vous nous suivez régulièrement, c'est un peu le station F, on va dire, d'Aix-en-Provence, mm -hmm. avec des, évidemment des, euh, des dimensions plus petites. Ouais. Mais il faut mais savoir... Je crois que oui, ça, sera, ça ira au-delà des, des startups, hein. il y aura un peu de tout en oui, fait. Bien sûr. Euh, et euh, en fait, il faut savoir que derrière ce, ce, The Camp se, se cache une histoire un peu dramatique, puisque le, mmh. le fondateur de The Camp, qui s'appelle Frédéric Chevalier, euh, et qui a porté ce projet à bras le corps euh, au, sein, années, voilà, ouais. au sein de la région, et tout, parce que euh, ça, ça coûte 20 millions d'euros hein, quand même, ouais. hein, et bien euh, euh, a trouvé la mort là en juillet, de, quelques semaines avant l'inauguration de son concept de son bébé. Mmh. Dans un accident euh, de moto, Dans donc c'était assez violent, ça ouais. un peu apparemment traumatisé toute l'équipe, ce qui se passe. Évidemment. C'est tragique, mais enfin, en tout cas, son projet voit Jour. Exactement, et on lui souhaite plein de bonnes choses et surtout un bon vent. Bon. Allez, euh, euh. il est caché derrière son, son, son PC, <laughs> c'est Emric Siméon, regardez-le. Bonjour Emric Siméon. <laughs> ouais est superbe. Mais les, les, les PC d'Americ ont des <laughs> formes à chaque fois différentes. Bah oui, c'est ça, ça c'est bien. Ouais, c'est ah bah oui, nouvelle un peu. C'est varié, c'est bah distrayant. Oui. C'est ça. Donc, de quoi s'agit-il, cher Emric, aujourd'hui eh bien, eh, bien, eh, bien, eh bien, ce PC, c'est un PC pour <laughs> joueurs voilà généralement je vais pas présenter des pc pour la bureautique hein <laughs> oui non voilà bah, si vrai, tu nous proposes un pourrait... pc pour la bureautique qui fait 72 kilos là euh, problème quand même oui mais il y aurait plein de bonnes choses à l'intérieur oui c'est vrai, vrai. ça vrai. plein de bonnes choses euh... il en parle avec amour bah, c'est ça, ça. Bah, oui. en, bah, bah, en bah, les bah, caressant comme ça de bah, toute façon on ne peut qu'aimer ce genre de machine euh, voilà donc euh, c'est euh, le corsair one pro alors c'est une machine qui est sortie à mais Corsair, c'est la, la marque de, de barrette de mémoire Voilà, c'est ça, ça eux-mêmes. Ah. Voilà, donc qui ah, euh, depuis culture, un petit un peu... Euh, qui depuis en plus a étoffé un peu son catalogue, puisqu'ils font effectivement la barrette de mémoire, mais mm -hmm. ils font aussi du SSD, ils font le boîtier, ils font de la ils font plein de choses. Et donc ils se sont mis à faire leur propre PC, donc le Corsair One et le Corsair. Roo, pardon, et le Corsair One Pro, donc celui-ci, sont les deux, euh, les deux bébés de Corsair sur le monde du gaming en PC tout assemblé. Voilà. Bon, et alors, il est bien Eh bien, euh, on l'a reçu. Il euh, y a euh, deux jours. Donc on a commencé les tests dessus. Pour l'instant, euh, tout se passe plutôt bien. En mm -hmm. même temps, vu ce qu'il y a dedans, si ça se passait mal, ce serait un drame. <laughs> Parce qu'il y a quand même un, un, un processeur de toute dernière génération, un i 7 7700K à l'intérieur. Il y a pff, de la mémoire à plus que savoir en faire. Euh, SSD. Et surtout une, euh, une GTX 1080 euh, Ti de Nvidia. Donc une carte graphique qui est faite quand même pour bien jouer. Alors vous allez me dire, euh, la carte graphique, elle ne rentre pas comme ça dans, dans la machine. Elle hein, dépasserait. Alors effectivement, en fait, Mais la oui, machine est, est vrai, montée complètement vers le vers le haut c'est à dire qu'en bas vous avez le processeur d'accord et puis en fait la carte graphique est montée complètement euh, mmh. en on fait non, non. l'ouvrir va être compliqué bon, okay. néanmoins je peux vous raconter un peu comment c'est fait à l'intérieur mmh. fais nous rêver, euh, -nous voilà. rêver donc le processeur à la tête en bas déshabille nous le corsaire voilà le processeur à la tête en bas bah, suggérer le déshabillage euh, bah, regardez. Vous pouvez essayer ah, de Mais regardez on a lui des images des avant. voilà parce qu'on est fait par quelqu'un de ses corsaires donc voilà lui c'est ce qu'il fait voilà donc en fait ce qui est intéressant c'est que à l'intérieur de la machine tout le refroidissement et euh, on va dire water cooling actif c'est à dire que il fait pas pas de bruit hein, on va on va être tout à fait il, il fait du bruit il fait pas pas de bruit il fait il fait, il fait du bruit parce que, que water moins. cooling normalement c'est censé euh... <laughs> bah ça fait glouglou -glou, <laughs> oui. mais faut quand même euh, faut faut quand même refroidir euh, mine de rien le, le, le radiateur qui reçoit euh, toutes les calories euh, mm. qui sont euh, Transporté par euh, par le water cooling et les donc y a quand même, et voilà mmh. euh, alors euh, c'est pas des caloducs c'est vraiment non. des tuyaux hein, bête et méchant c'est un water cooling et puis au bout il y a un gros radiateur et ce, ce truc là faut quand même le refroidir donc il y a des ventilateurs hein, mais normalement en fait les ventilateurs sont montés comme le, la carte graphique etc ils sont vraiment de part et d'autre du pc histoire que euh, un l'aspiration d'air puisse se faire de façon optimal mm -hmm. et surtout que l'extraction puisse se faire vers le haut puisque l'air chaud monte hein, euh, tout le monde le sait et donc en haut là il y a une espèce d'énorme turbine qui va se charger d'expulser toutes les calories etc. donc il y a vraiment un design intérieur hyper sophistiqué ouais très recherché en tout cas et c'est vrai qu'on bon. on se demande un peu enfin de prime abord on peut se demander comment est-ce qu'autant de composants très puissants arrivent à tenir dans un si petit boîtier sans complètement surchauffer bah, a priori ils y sont arrivés donc on va mettre la bête à l'épreuve là dans les dans les jours qui viennent et puis bah, le test sera bientôt à retrouver sur, sur 01 voilà on a parlé du prix, prix ou pas et Ah bah oui ouais, parce que je voilà, pense que. Prix. Hein Allez, alors le... oh, c'est Pas cher. Non c'est pas cher. Pas cher, c est c est cher. pas cher. Pas cher. Pas cher. Vous m'en mettrez deux. Euh, alors le Corsair One pas pro, euh, il coûte à partir de 2000 euros. Et puis le Corsair One <laughs> Pro, euh, bah, là le, le comment dire la, la référence qu'on trouve actuellement sur le marché coûte 3000 euros. D'accord. Voilà et ça peut monter plus haut parce qu'on n'a pas le plus haut de gamme. Et c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à tout ce qui se fait ou on paye malgré tout. Euh... L'ingénierie et ah, on va payer euh, le, le design. Alors bien sûr, hein, euh, si vous amusez à refaire la config à la maison, euh, pas tout à fait dans le même boîtier, vous allez payer moins cher, hein, ça, on est bien d'accord. Néanmoins, vous payez bah, le com la compacité, hein, mine de rien. Euh, oui. Voilà, ça oui, tient oui. sur un bureau, C'est Bon, ce n'est pas forcément très joli, mais sous un bureau, ça ne prendra pas énormément de place non plus. Et puis il euh, y a tout dedans, il hein. y a du wifi, enfin il, non, il en manque rien. Un PC monté soi-même, il euh, n'y a pas à dire, C'est n'est pas comme un PC qui a été pensé par des professionnels, dessiné par des professionnels. Et... Non, et puis celui-ci ouais. est évolutif quand même dans, cer dans une certaine mesure c'est pas très facile ouais. de l'ouvrir comme on a vu mais néanmoins si on veut le faire évoluer c'est possible très voilà. bien parfait corsair one pro merci beaucoup et Siméon. on reste dans le hardware puisque c'est la partie ouais. labo de ce 01 à live et on reste dans les calories et on reste dans les calories. Et exactement. Et ouais, voilà alors ça ça, fait, ça peut faire office de chauffage aussi oui. d'accord hein. ah, tout à fait ouais. pas Là, ah, ouais. tu joues au, tu joues au dernier call of euh, il fait 30 degrés dans ton bureau <laughs> mais 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 si vous ne jouez pas à call of malgré tout vous pouvez quand même avoir 30 degrés chez vous grâce à david Noguera. Tout à fait et moi c'est mon ma solution qui permet d'avoir 30 degrés et coûte 60 euros non bon allez. en oh fait ce que là là tu peux pas jouer à call of avec non je peux pas jouer alors là, pas. tu non, peux mais, mais il faut, il faut, faut lancer, lancer sur ton adversaire c'est mais là ah, tu te vends parce, parce que c'est que c'est c'est val... qu'une partie c'est qu'une qu vanne il de... manque le radiateur peut-être que certains l'auront reconnu en fait on est dans la maison connectée on est dans la maison connectée et en fait c'est un peu le constat que j'ai fait ce week-end quand j'ai reçu plein plein de prospectus il y il plein de radiateurs dessus je me suis mais c'est vrai que c'est la saison de chauffe approche oui. Et donc les constructeurs forcément se manifestent. On a vu qu'il y a eu du Netatmo qui nous a envoyé des choses en nous disant Eh regardez, on arrive avec des vannes connectées qui communiquent avec notre thermostat et il y a aussi Bosch sur ce sujet. En fait, il y en a plein d'autres. On a déjà fait une vidéo ensemble sur une solution Wiser. Et moi, c'est une solution que j'utilise depuis très longtemps. Et je n'y reviendrai pas. Et <laughs> c'est pourquoi je m'intéresse aussi à ce type de solution. C'est une centrale domotique. Donc à la base, je peux la faire communiquer avec effectivement ma tête thermostatique qui va me piloter individuellement. Et communiquer avec sa tête va me piloter individuellement chacun des radiateurs, ce qui est quand même foncièrement différent du thermostat central qui pilote un étage. Je peux vraiment lui dire dans mon salon, je veux 22 de telle heure à telle heure. Par contre, dans ma chambre, je veux 21 Alors, on parle bien de, 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 radiateur, de radiateur avec chaudière individuelle. Exactement, à fluide individuelle ou collective. Individuel là, collectif. Oui, là, j'interviens véritablement sur le radiateur sur en lui-même, sur le Donc, système de, ouais. de piston. Si je suis en appartement en chauffage central, ça peut marcher. Exactement, ça peut fonctionner. Je peux éviter la surchauffe, d'autant qu'il y a des choses qui sont en train de se profiler du côté des syndics et des copropriétés etc qui va commencer enfin, il vont commencer à, à, à rendre obligatoire la mesure de la de sa consommation à domicile et donc installer ce genre de choses peut mmh. permettre d'éviter de surchauffer ou en tout cas euh, de mieux maîtriser sa consommation ouais, ouais, de l'avantage évident de cette solution donc je le disais c'est que c'est une centrale domotique qui communique aussi avec un contacteur de porte qui peut communiquer avec des prises connectées ou des détecteurs de ouais, mouvement il y a tout l'écosystème il ya tout l'écosystème ça c'est l'avantage c'est de pouvoir ajouter des briques et par exemple le contacteur de porte et eh ben, il pourra tout à fait dire là je détecte que j'ai ouvert la fenêtre donc je ne demande pas au chauffage de se relancer reste à température puisqu'on a ouvert une fenêtre. Donc inutile de surchauffer. David, ouais. euh, est-ce que c'est compatible avec d'autres euh, appareils d'autres genres, d'autres ah types Quand on va arriver sur cette solution, Bosch va évidemment privilégier euh, son système de communication, bien qu'ils m'ont quand même dit que ce serait du... Protocole Zigbee, donc hmm. on pourrait à, on pourrait arriver à, à faire communiquer avec d'autres choses. La preuve, c'est que eux communiquent avec des ampoules Philips Hue depuis leur application. Ouais. mais Philips Hue donc, est très très ouvert. Exactement. Avec Et donc, donc ils ont euh... fait ils ont fait une, une intégration de Philips Hue. Il y a un petit produit qui sera aussi vendu. Alors là, sur le pack chauffage, on est à 359 euros avec la centrale domotique, deux têtes de radiateur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure 60 euros en plus par tête, le contacteur de porte pour commencer ensuite. Juste, il n'y a pas de solution pour le chauffage électrique traditionnel. Alors, eux n'ont pas de solution pour le chauffage électrique traditionnel. mais il y en a chez d'autres, effectivement. Comme moi j'avais... Je citais oui, tout oui, à l'heure euh, Weiser de, de Schneider des... Electric qui, qui est vraiment... Moi ça fait deux ans que je l'utilise et de un Pourquoi chauffage électrique chez toi Je suis au chauffage électrique et d'avoir cette maîtrise et de se dire bah, dans la nuit finalement euh, je veux pas il y, y a plein de petits scripts qui sont amusants quand je pars mmh. en vacances j'appuie sur un bouton le chauffage se met hors gel le ballon d'eau chaude arrête de, de chauffer l'eau pendant un mois quinze jours si je le souhaite et j'ai des retours sur mais les tu peux le faire avec les radiateurs je te montrerai je viendrai chez toi euh, dimanche donc, euh, et avec mon tournevis ah, si tu voilà. veux voilà. Et sauf que, bon tu vas avoir simple, du mal j'ai pas de radiateur donc euh, c'est quand même beaucoup plus essayer, simple que, euh, ah, que ces thermostats qu'on a alors c'est vrai que c'est obligatoire depuis quelques années maintenant dans les constructions neuves d'avoir ces petits thermostats dans on va régler euh, ces, ces périodes d'activation de, de, de la chauffe mais c'est pas aussi détaillé et surtout il n'y a pas de contrôle individuel du poste de chauffage et là, ces interactions, parce que là, par exemple, dans la main, j'ai un détecteur de fumée. Et Ce mmh. détecteur de fumée, il sert en plus, c'est malin, parce que si jamais, eh ben, le détecteur de mouvement a détecté qu'il se passait quelque chose, et eh bien, il va activer la sirène du euh, détecteur de fumée. Donc, mmh. ça va en plus faire office d'alarme. Voilà. Donc, là, après, tu sais il y a quand même hein. pas mal de choses qui, qui Est-ce que c'est bien pensé Tu as pu tester un peu l'interface L'interface, je l'ai vu. C'est pareil, c'est un produit qu'on vient de qu'on vient sûr. de recevoir. Alors, c'est vrai ouais. qu'on est dans les. Tout le oui. monde n'a pas encore allumé son chauffage, mais l'interface est assez bien faite. Sur mobile uniquement Sur mobile, ou... sur mobile pour sur le mobile coup, iOS, Android. Il doit avoir une, une version. Euh, Donc les petits scénarios PC. dont tu parlais, allumage automatique, Exactement. tout ça, ça se fait, ça sur se le fait mobile. depuis le mobile. En quelques clics, j'ai pu apprécier la chose. C'est je crée mon scénario, je nomme mon scénario, je choisis quels éléments je souhaite piloter, et euh, on, off, euh, et température, etc. Donc voilà. C'est Donc, <laughs> des produits qui qui peuvent paraître euh un peu bêtes, mais vraiment ça peut rendre service et surtout faire baisser les factures de conso d'énergie. Le prix dans le haut, dans le bas 300, On est plutôt sur... Alors, à l'appui on verra plus tard mais on est plutôt sur un bon rapport en tout cas qualité prix c'est à dire que 359 euros pour le pack avec les deux têtes 60 euros par tête c'est un prix qui est assez classique et après vient euh, peuvent se rajouter euh, de la prise connectée si jamais en plus euh, je veux euh, créer un script mmh. j'arrive chez moi tu m'allumes mmh. ma télé tu m'allumes la lumière du salon et ça en moyenne il y en a pour une cinquantaine d'euros entre 40 et 50 euros pour euh, pour l'ajout euh, d'une prise connectée d'un capteur euh, détection de mouvement ce genre de choses très bien très bien Parfait, avez... merci beaucoup. Et puis moi je trouve que pour une fois c'est David qui a dégainé sa vanne et pas moi. Parce que d'habitude... Euh... Oh là là là, ah ah les, les applaudissements, euh, Pierre il Il faut non. Vraiment non, on... Non, Ils sont partis. Ils sont partis. <laughs> Il faut vraiment qu'on l'ait. Hein, je ne euh... comprends pas pourquoi ils se raclent tous la gorge. Là, je... je ne comprends pas. Jérôme, avant de se dire au revoir, si on faisait un petit point sur notre question zéro on est orange Êtes-vous satisfait de votre connexion Internet est Aïe. La question 01 net orange du jour. On était à 40-60 tout à l'heure. Là, ça va pas. Hein, ça non, va ça pas va, du va du pas tout. du tout. On est à non, non, à 64%. Moi, j'aurais pensé le contraire, parce que je pensais que les gens qui, qui nous regardaient étaient, euh, pour pouvoir, ne serait-ce que pour pouvoir nous regarder, ils avaient une, ils ont une bonne connexion. Bah, apparemment, non. Après, bon. Est-ce qu'on est satisfait de sa connexion Internet ah, Parce oui. qu'on a peut-être un mauvais Wi-Fi. Il y, a, il y a tous ces paramètres aussi hein, euh, à prendre en compte. Hein. Mm -hmm, C'est pour ça que... Fait. bon, En tout cas, continuez à voter. La question, 01net.com, orange, comme chaque jeudi. Merci beaucoup. On merci a fait Merci de nous avoir suivis. Oui, on est presque dans les clous, en plus, pour une fois. Eh oui. Euh, merci à Pierre Thiolin, Jean-David Duart, Thomas Romiret euh, qui assurait la réalisation de, cette, euh, de ce live. Et merci à vous qui nous suivez euh, nombreux sur YouTube. On vous euh, remercie. Puis à tous ceux qui nous ont laissé des petits messages sur le hashtag en live Portez-vous bien, bonne soirée. On sera là la semaine prochaine, mais ne ratez pas d'ores et déjà le 4 octobre. Euh, grande soirée sur 01net TV puisqu'on vous fera vivre donc la keynote, la keynote Google. Google. On parlera aussi de Sonos puisque pratiquement au même moment euh, Sonos fera euh, des annonces donc euh, ça jour. va être cool. On aura pas mal de choses à vous raconter. Ce sera à vivre en direct sur 01net TV. On compte sur vous. À très vite. Salut à tous. Bonne soirée.